les Capricornes, bienvenue sur votre tirage sentimental. Du coup, on va aller voir qu'est-ce qui se dessine pour vous au niveau sentimental pour le mois de décembre. Capricorne, signe ascendant, lunaire, solaire. Ouh, l'indifférence. Alors vous, là, l'amour, j'ai l'impression que c'est pas votre priorité, quoi. Bon, on n'est pas là-dedans, là. Donc, on est indifférent. Vous êtes indifférent par rapport à des coupes d'amour qu'on voudrait vous tendre. Pourquoi on est indifférent? Est-ce qu'on sort de cette indifférence? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me parle du 2 de Pentacle, le fait de devoir jongler entre plusieurs situations. Alors, ça peut me parler de triangulaire, ça peut me parler peut-être que vous jonglez déjà au niveau du pro, hein. D'ailleurs, c'est ce qui est sorti dans le général, il me semble, pour vous, où vraiment il y a cette notion de jongler au niveau financier. Donc, peut-être que ce n'est pas votre priorité, l'amour, là, pour l'instant, hein. Et on va quand même vous faire un tirage sentimental pour aller voir ce qu'il y a en vous, parce que c'est pas parce que vous croyez pas en l'amour qu'il n'arrive pas vers vous. Regardez, j'ai le chevalier de bâton qui arrive ici. Chevalier de bâton qui est très intuitif et qui avance avec une énergie de feu. Par contre, qui est assez jeune dans sa réflexion. Peut-être une notion pas immaturité dans le sens où, voilà, dans le sens jeune, mais voilà, un peu moins averti. Vous savez, c'est la fougue, hein, le chevalier de bâton. Hein. C'est vraiment la fougue. Et quand on avance avec fougue et avec passion, on est un peu moins réfléchi, vous voyez. Ce qui est des fois bien, hein, j'ai envie de dire, pour du sentimental. Hein. Là, on a la reine de Pentacle. Donc, c'est peut-être un homme qui arrive vers vous, qui est un peu moins mature que vous. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avancez trop dans la fougue et dans la passion, vous voyez, et qu'on vous dit de tempérer, d'être plus, faire attention au matériel, prendre soin de vous et de vos finances. En tout cas, on a cette notion de terre d'ancrage, vous voyez, de matériel là qui s'ancre. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Hein. On va vers quoi, regardez? On va vers une reine de coupe. La reine de coupe, c'est les intuitions, c'est l'amour par excellence, la reine de coupe, hein, j'ai envie de dire. Ok, on va prendre un autre tarot, parce que c'est très fluctuant, je trouve, au niveau sentimental, les Capricornes. Là. On va aller voir si on a d'autres messages pour vous. Sur le cap de coupe avec les tarots, s'il vous plaît, pour les Capricornes au niveau sentimental, est-ce que je pourrais avoir des messages? Le monde. Ouais, on vous conseille quand même, on vous dit qu'il va falloir vous ouvrir au monde. Hein. Alors, soit vous allez vouloir le faire et sortir d'une passade, vous étiez peut-être complètement différent par rapport à l'amour, soit on vous conseille vraiment de le faire, hein, de voir un peu plus de monde. Hein. Regardez, vous avez le savoir à l'intérieur de vous. Et il faut vous connecter à vos savoirs, vraiment à vos intuitions. J'ai l'impression qu'il faut vraiment lâcher prise. Vous voyez, vous avez le 44, vous avez le 2, je vous ai dit, ça parle d'or miroir, de chiche de premier miroir. On voit le 2, on voit l'union. Il y a beaucoup de 2 dans vos tirages, en fait. On est quoi là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de bâton. Ouais, l'amertume. Peut-être que vous restez amer par rapport à une personne qui était un peu plus immature que vous, qui est arrivée vers vous, qui était peut-être très passionnée, puis s'est retombée très rapidement pour certains. Voilà ce que ça peut me dire. Ouais. Pour d'autres, vous restez peut-être amer tout simplement par rapport à l'amour, à la passion, tout ça. Voyez, vous prenez votre autorité là. Il y a cette notion de reprendre son autorité, de se repositionner aussi. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage au niveau sentimental. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là au niveau sentimental. Ouais, vous vous stabilisez, mais j'ai l'impression que l'amour, ce n'est pas votre priorité. Vous êtes plutôt sur vous rééquilibrez-vous. Et pourtant, on vous conseille de vous ouvrir au monde. Hein. Vous voyez, il y a la reine de coupe et il y a le diable. J'écoute mes intuitions, j'écoute ma tête au niveau sentimental. Pourtant, vous pourriez aller vers quelque chose de chouette hein, au niveau émotionnel. Alors pourquoi on bloque comme ça là, hein? Qu'est-ce qui vous bloque comme ça? On va aller voir avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous bloque les Capricornes? C'est comme si je veux, mais ce n'est pas la priorité. Il y a quelque chose qui est. Vous avez trop souffert dans le passé, peut-être. Ouais, la projection, peut-être la loi de l'attraction. Peut-être que vous faites toujours une loi de l'attraction en vous disant que ouais, c'est bon, l'amour, j'y crois plus, c'est pas pour moi. Bon, bah, dans ces cas-là, si vous projetez ça, vous allez recevoir ça aussi. Vous voyez, c'est vraiment la loi de l'attraction, la projection. J'ai l'impression que vous voulez votre stabilité personnelle. Vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout votre stabilité financière et personnelle. Là, il y a quelque chose qui n'est pas stable et du coup, ça fait que l'amour n'est pas votre priorité.
vous essayez d'abord de vous équilibrer, vous. Et pourtant, alors, peut-être que vous êtes amère sur une relation qui était purement sexuelle, hein, et vous auriez voulu quelque chose d'autre. Hein. Ou alors, vous attirez à vous une relation qui va être juste charnelle. Mais ce n'est pas grave si ça ne va pas plus loin, j'ai envie de vous dire. Ça peut aussi réactiver toute cette énergie de Kundalini, et c'est peut-être pour vous amener une autre personne, vous voyez. Ouais. Pour vous, c'est un échec. Si ça ne dure pas, si c'est que sexuel, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, pour vous, c'est un échec. Et du coup, vous essayez d'être stratégique en amour, mais ça ne fonctionne pas la stratégie en amour. Vous avez un choix. Hein. Vous avez un choix. Soit vous choisissez votre âme, votre cœur, soit vous choisissez votre tête qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais je vous montre quand même, derrière, vous avez l'amour. Hein. Donc, je pense savoir ce que vous allez choisir. On va aller voir quand même avec les cartes. Et on va aller voir avec le... Avec l'améthyste love, ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental. Je suis curieuse. Là, franchement, je suis curieuse. Qu'est-ce que vous faites, les Capricornes, là? Ben alors, les loulous. Qu'est-ce qu'on lui fait, là, à la Claire, les Capricornes? Oula, puis alors, ça tombe. Chlac, regardez, il y a une réconciliation, la paix. Et je pense que c'est avec l'amour que vous avez besoin de vous réconcilier. Avec l'idée de l'amour. Parce que vous avez un amour véritable, hein, qui est là, hein, qui arrive à vous, hein. Il y a une personne qui vous aime. Peut-être est-ce ça qui va vous déstabiliser. Vous allez rester indifférent à cette personne. Hein. Alors pourquoi? Regardez-vous la femme. Je suis désolée, hein, mais vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça. Mais pour moi, il y a de l'amour qui arrive vers vous. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui. Ouais. Peut-être que vous étiez en échec jusque-là parce que soit vous étiez trop superficiel, vous n'alliez pas au fond des choses. Soit la personne, les personnes en face de vous étaient trop superficielles, elles n'allaient pas en face des choses. Et ça, ça vous bloque. Vous avez besoin vous avez besoin d'une personne pas faux folle, quoi, ancrée, vraiment qui soit vraie. C'est important pour vous. En tout cas, on vous parle de naissance, vous voyez, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui se dessine. Mais j'ai l'impression que vous n'avez plus trop confiance en l'amour ici. C'est un petit peu, ouais, un petit peu compliqué pour vous. On va aller voir avec le Mao ce qu'il peut nous dire. Non. On va prendre le Line of Love pour vous. C'est la même créatrice, hein, mais ce n'est pas les mêmes oracles. Le Line of Love, comment il nous complète ça? Ouais, vous voyez, il y a de la colère. Il y a encore de la colère. Ou peut-être que vous vouliez vous réconcilier avec une personne et que cette personne ne revient pas. Ou cette personne va revenir et ça va vous mettre en colère. Elle va devoir se réconcilier avec vous. Bon. Vous en êtes à essayer d'ouvrir votre esprit, vous voyez. En tout cas, on vous dit, ouvrez votre esprit, voyez plus loin, vous avez un voyage à faire avec une personne. Regardez, j'ai un engagement, j'ai des signatures, hein. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça, ou peut-être que du tout, tu parles, n'empêche qu'il y a quand même ça qui arrive à vous, hein. Avec un homme, une polarité masculine. Peut-être rencontré au travail d'ailleurs, mais c'est une relation qui va être stable. Hein. Il va y avoir de l'amour, hein. Alors, on n'y croit plus, les loulous? Pourquoi on n'y croit plus, d'ailleurs? Au niveau de votre chakra cœur, vous en êtes où? Tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides de l'univers, les nucléaires, bien sûr. Vous en êtes où, vous, les Capricornes, au niveau sentimental, là, au niveau de votre chakra cœur, là? Ouais, vous voyez, il y a une différence d'âge qui ressort. C'est comme si les personnes que vous attiriez à vous n'étaient pas matures. Ouais. Peut-être par rapport à des enfants ou ces personnes se comportent comme des enfants. Pourtant, vous voulez un projet. Ou alors, vous voulez un enfant. La personne en face n'en veut pas. C'est possible. L'autre en face, il en est... Fusion des sentiments et on vous dit que vous recevez des signes. Donc, il y a vraiment une personne qui est là pour vous. Hein. Pourquoi ça bloque, là? Qui bloque. Il n'y a rien qui bloque. Regardez, vous avez la concrétisation des projets avec cette personne. Et j'ai encore une fois une rencontre par le travail dans votre deck. Hein. Ben là, les loulous, hein, j'ai envie de vous dire, la balle est dans votre camp. Hein. Faut croire en l'amour un petit peu, là. Faut croire en l'amour. Quels sont les conseils, du coup? Quels sont les conseils pour les Capricornes? Ah, le 5 de bâton. Oui, bah, faut savoir ce que vous désirez. Hein. Là, on vous dit,
il faut travailler dans la loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Vous voyez, il y a peut-être à sortir d'un passé aussi, de relations passées. Si vous avez été tout le temps trahi, ce n'est pas pour autant que vous allez encore être trahi, vous voyez. On vous dit qu'il faut bouger, qu'il faut avancer dans vos énergies en conseil. Vous avez besoin de bouger par rapport à l'amour, votre vision de l'amour, vos relations passées. Il y a quelque chose à changer, il y a un avancement à faire, vous voyez. Le 2 de bâton, vous avez besoin de voir les choses différemment. On vous conseille de voir les choses différemment, de voir l'amour différemment, de voir les relations différemment. De ne pas vous mettre de barrières en fait. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai un roi de coupe qui tombe hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Là, j'ai la tromperie. J'ai la tromperie. Vous voyez, tromperie, trahison avec le 7 d'épée. L'as de denier, on va vers un nouveau départ. On va matérialiser quelque chose de nouveau, un nouveau cycle et vous attirerez à vous un roi de coupe. En tout cas, on vous dit d'être sincère, d'être fidèle, d'être intègre à votre cœur et à vos émotions là, avec ce roi de coupe. D'être stable. Regardez, en deux, dès que j'ai le mat, le nouveau départ. Donc, on vous conseille d'aller vers une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, hein, en tout cas d'y croire hein, et de sortir des blessures d'âme, de tromperie, de trahison, de tout ça. Hein. Ouais, ouais, le message est très clair. Hein. Je vais prendre pour vous une carte de votre âme parce que je crois que je ne l'ai pas pris dans le tirage général. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. On aime bien avoir des petits conseils de l'âme. Bah tiens, j'en ai deux en plus pour vous. Soufflez. Les gens vous disent souffler. Souffler et se reconnecter à la nature. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies, tes rêves, partage-les, écris-les. Par exemple, autour de toi, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut. Et toujours aller plus haut. Enfin voilà. Voilà. Se reconnecter à la nature. Arrête tout pour marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà ce que vous conseille votre âme. Votre âme vous conseille une pause. En fait, une pause. Respirez, reconnectez-vous à la nature. Ça va vous permettre de savoir ce que veut votre âme. Et ça va vous permettre de faire un choix et d'y voir clair dans une situation. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le brouhaha pour vous, là, au niveau sentimental. On reste indifférent à une personne, mais on veut s'ouvrir au monde. En même temps, dans la loi de l'attraction, on voudrait peut-être se réconcilier, mais on ne veut pas se réconcilier. Ou alors, il y a une personne qui vient pour se réconcilier, mais de toute façon, ça nous met dans la colère et ça va faire des conflits. Et on nous dit de sortir de ces conflits. On est plutôt axé sur nos projets et on nous dit d'écouter nos intuitions, qu'on trouverait la paix. Et pour écouter ses intuitions, bah, il faut aussi se reconnecter à la nature et souffler un coup, vous voyez. On vous dit qu'il y a un amour véritable qui arrive à vous. On vous dit qu'il faut prendre de la distance, de la hauteur, peut-être voyager, partir en voyage. On vous conseille de bouger dans vos énergies, de voir les choses différemment, de sortir de la tromperie, de la trahison, des blessures d'âme comme ça, de sortir de votre esprit peut-être qui vous emprisonne, d'aller plus vers votre âme, vers votre cœur pour faire un choix, savoir qu'est-ce que vous voulez. Rester célibataire, être en couple, retourner avec un ex, rester là où vous êtes, aller vers une nouvelle personne, y croire ou pas y croire. De manière plus générale, c'est surtout ça, y croire ou pas y croire. Cette notion d'un cavalier de feu là qui arrive vers vous, hein, vous voyez. Ouais, il y a de l'amertume par rapport à ça. Il y a cette notion de sexualité. Est-ce que c'est que de la sexualité ou vous ne voulez pas que de la sexualité? Vous voulez un engagement, mais vous allez vers un engagement. Et pourtant, il y a peut-être eu un engagement avec une personne qui était plus immature que vous, voyez. Et là, il y a eu tromperie, trahison. Puis ça vous a blessé. Donc, vous vous concentrez sur vous, sur votre matérialité. Vous reprenez un petit peu votre autorité, votre pouvoir. Pour vous, ça a été un échec. Cette personne était superficielle. Mais c'est jamais un échec, en fait. Hein. C'est pas un échec. Hein. Dans tous les cas, vous allez vers une nouvelle personne. Et là, vous allez mettre de côté, en tout cas, on vous conseille de mettre de côté les trahisons, les tromperies, les coups de poignard dans le dos et d'aller vers un nouveau cycle en amour, hein, avec une personne qui sera fidèle à vous-même. Il y aura peut-être une différence d'âge. Voilà, peut-être que cette personne aura des enfants. C'est vous qui avez des enfants, peut-être que vous vous mettez des bâtons dans les ronds, vous dites que si vous avez des enfants, ça risque de bloquer, que vous avez du mal à rencontrer une personne. Mais ça, c'est pas grave, vous en inquiétez pas, l'univers fera les choses. Cette personne reçoit des signes, aura vraiment une fusion de sentiments, vous allez pouvoir concrétiser le projet. Et c'est fort probable que ça commence au travail, pour aller partir à l'aventure avec cette personne, un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas encore là. Bon, vous me direz dans les commentaires en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo et à vous abonner. Il y en a plein qui regardent et qui ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et activer la petite cloche. Je vous embrasse fort, je continue mes astros. Ciao, ciao.